Bonjour et bienvenue, nous sommes repartis pour plus de Starfield. On va aller récupérer les parties d'artefacts. C'est parti, j'ai fait une petite panne mission. En fait, je suis allé sur une planète, tout ça, j'ai tué quelques aliens et tout. C'était une base abandonnée en fait, c'était une ferme abandonnée exactement. Il y avait quelques bestioles. J'ai trouvé ça aussi. Donc ça a l'air pas mal pour les dégâts. Et bien sûr, on a le... l'inflictor de Varun du début. Du coup, j'ai pris pas mal de munitions pour les deux. Donc, honnêtement, on devrait être bien. J'ai gardé ça, mais franchement, on va tout faire avec celui-là. Vraiment, vraiment tout. C'est tellement, tellement puissant. Ce qui est bien, c'est que ça a un peu augmenté aussi mon fusil, parce que c'est considéré comme un fusil à particules. Donc, du coup, les deux compétences fonctionnent. Donc, ouais, il fait très mal. On y va. C'est parti. It's good to be back on board. Mon dieu, la vitesse. Donc ouais, on va récupérer les artefacts. On va voir ce qui se passe un peu tout ça. On va potentiellement aller faire directement après le combat avec les deux Zygoto. Je pense. Même si j'ai pas envie, surtout en vaisseau en fait, c'est ça le problème. C'est en vaisseau, j'ai vraiment pas envie de le faire. If it isn't the man, I'm... Anyone who doesn't charge it, tried crossing. Good news is the... Here's the data. Can probably find... Merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment le seul problème que j'ai, c'est le combat en fait. Le combat en vaisseau qui me... Qui va vraiment me... pourrir mon fun en fait. Amorce lourde, parfait. J'ai un peu de... comment ça s'appelle? De soins aussi. Donc honnêtement, on va pouvoir bien se débrouiller. On va pouvoir bien se débrouiller. Ça va être pas comme là. Ça va vraiment pas être. J'arrive pas à formuler des phrases, c'est cool. Comme la dernière fois. Je récupère de la nourriture au cas où. Des cigarettes. Il y a plein de trucs là en fait. C'est pas mal pour faire à manger. Enfin bref, on y va. Je pense qu'on est bon. J'ai quelques soins et tout, c'est cool. On va juste regarder vite fait ce qu'on a. Alors, réduction de bruit, c'est ça qu'il nous faudrait. C'est ça qu'il faudrait récupérer en masse pour faire des drogues extrêmement puissantes. Très bien, très bien. Cœur. On va mettre là. Et on est bon. Ouais, on va faire ça même. Donc on va faire tous les artefacts, on va essayer d'aller vite. Normalement ça devrait aller vite. Et après ouais, on va faire le combat directement, je vais me lancer dedans. Et je pense que je vais zapper cet univers aussi. Je vais rien faire dedans. Remember. Some life forms don't need spacesuits, so keep your eyes open. Ça marche, merci Sarah. Et on y est. Alors, ah c'est Spartiate ici. C'est pas Tiard. Bref. Méchant quoi. Tellement puissant ce truc. Tellement puissant ce machin. C'est quoi ça, du corps à corps encore? C'est ouf de récupérer autant de trucs rares corps à corps.
Qu'est-ce qu'on fait? On va directement dedans. Très bien. On va tout prendre juste au cas où. Faut que je teste ça là. Faut que je teste, ça fait vraiment des bons dégâts. Je crois que c'était exactement celui que j'avais dans l'univers précédent. Allez, on y va. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Ouais, c'est des bons dégâts. Ah, on va directement aller récupérer l'artefact. C'est bien parce que ça m'augmente mon habilité. Ok, par où on passe? Par là-bas. Ah, on a l'avant. C'est quoi ça? Casque? C'est quoi ça? Tambour? Ok. Par où je passe? Je crois que c'est là-bas. Non, ça c'est un mur. Putain. Chaque fois je me perds là-dedans, c'est ouf quand même. Par où on passe? Ah, en bas, ok. Plus j'ai pas mal de mun. Du coup, mon pouvoir il me sert pas à grand chose en fait. Je vais être franc. J'étais pas vraiment sûr d'où il était. Go. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut se téléporter direct? Yes. Faut que je regarde ce que j'ai récupéré parce que je pense avoir quelques trucs qu'on peut utiliser peut-être. J'ai aussi récupéré... J'ai pris des kits de réparation pour le vaisseau, parce qu'on va en avoir besoin. Ah, je vois des gens qui bougent. C'est quoi ça là-bas? Enfin bref.
Quand on commence à avoir quelques habilités pour... compétences, pardon. Pour les armes à feu, c'est vrai que c'est pas mal. Ça, ça doit être bon. On va faire fusil. Ouais. Fusil niveau 2. Balistique, ça va venir après. Je vais utiliser ce que j'ai dans les mains pour le moment. Le particule, on utilisera ça quand on ira combattre des trucs plus gros. Comme ça, ça augmente mon habilité balistique, là. Compétence balistique. Du coup, il n'y a rien ici. Il n'y a pas d'ennemi, je crois. Ok, très bien. Parfait. Je sens que le prochain univers va être sympa. Je sais pas pourquoi, je le sens. Je le sens, je le sens. Et s'il est pas sympa, je vais faire la gueule. Je vais regarder ce que j'ai maintenant dans l'inventaire et je vais tout virer. Ah, tenez le pouvoir, il y a un pouvoir aussi. Dans les environs. Ça aussi, je ferai une pause, bien sûr, pour récupérer tous les pouvoirs. Ça va être honnêtement le plus chiant pour moi. Alors, hop. Saute. C'est bon, ça on n'a pas besoin. On va garder ça parce que c'est vrai que j'en ai pas. Alors là on a quoi? Ouh, en plus c'est de l'UC ça, marine de l'UC. Vétéran antiseptique, miroir, ouais c'est pas mal, sympa. Et en armes, tambour élémentaire. Rapide, fracassant, fracassant, on s'en fout. Cocher exterminateur, ouais, c'est nul. Ouais, c'est honnêtement nul. We shouldn't stray too far from our ship. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Non, bah, bon. Je vais faire un truc, je m'en rappelle plus quoi. Je vais peut-être prendre que les balles à la limite. Oh, ça c'est un orimorph ça. Non, Dieu! Vous êtes rentré avec moi? Qu'est-ce que c'est chiant de bien viser avec ce truc? Là-bas, je sais pas d'où elle part, mais. Non, 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 non. Je suis assez d'accord, Madame Sarah.
Ah oui, non, c'est le pouvoir que je voulais changer, mais je sais pas quoi mettre. Parce qu'en fait, c'était pour m'aider pour le DPS, là, ce que j'ai. Mais maintenant... Maintenant, bof, quoi. Ah merde, je peux pas. Je peux pas ici, c'est bizarre. Je sais pas, parce que c'est une grotte, j'en sais rien du tout en fait. Ouais, en plus on récupère pas d'amorce lourde. J'aurais 400 depuis tout à l'heure. Donc bah au final c'est très bien qu'on ait cette arme. Je crois que pour le combat, la meilleure habilité qui existe, c'est le truc du jetpack. Le jetpack au max. Je pense que c'est la meilleure habilité qu'on peut avoir. Le ralentir le temps et de rester en suspension en fait, au-dessus d'un ennemi en fait, et de pouvoir tirer dessus comme ça, c'est super bien. Puis le jetpack il revient très rapidement en plus. Je sais pas si on peut améliorer ça encore. Je sais pas trop si on peut améliorer. S'il y a quelque chose qui tourne autour de ça. J'ai le jetpack à fond, le combat jetpack machin. Je crois que c'est tout. Quoi. Oh! C'est loin. Par là. J'aime bien que ça fasse le bruit quand on les sélectionne. Je voudrais bien aussi des détails par rapport au pouvoir, qu'est-ce qui est augmenté. Là, j'imagine que c'est le temps, parce que ça, la bulle, en fait, elle reste quand même vraiment longtemps. Maintenant, comparé au pouvoir niveau 1. Donc je pense que c'est le temps. Mais après, je voudrais bien voir un peu les dégâts, genre avoir des pourcentages, des chiffres en fait. Je voudrais bien avoir des chiffres. Enfin, on peut pas tout avoir. Très bien. Par là, ouais. Faudrait que je prenne de la nourriture. Enfin, quoique, on n'en a pas vraiment besoin maintenant. On aura besoin qu'on sera à terre et qu'on combattra les Astriens et tout ça. Qu'est-ce qu'on veut vivre, c'est cool. Je suis sûr qu'on peut faire encore mieux, hein, parce que j'ai tué quelques trucs et tout. Hein. On peut sûrement, genre rusher, utiliser le pouvoir pour se rendre invisible. Genre de tuer personne, vous voyez, vraiment rusher.
Et si vous êtes repéré, en fait, vous utilisez le pouvoir de l'invisible, comme ça, ils vous perdent de vue. Et en théorie, vous pouvez faire un voyage rapide, je pense. Est-ce que j'ai des amplis ou pas? Amplis, pardon. J'en ai... Je suis en surpoids? Non. Ah, beaucoup de gravité peut-être. Oui, 1,538, oui, ok. Ah, c'est pour ça que l'oxygène part aussi vite. Ça aussi, c'est une compétence que je voudrais bien augmenter au max, mais bon, c'est pas extrêmement important. C'est le fait d'augmenter l'oxygène que vous pouvez... Oh putain, je me suis pété un membre. L'oxygène que vous pouvez avoir. Ça fait chier que je me sois pété un membre. J'ai un truc pour me l'enlever. Je me suis bien défoncé ma vie aussi. J'aimerais bien avoir des choses qui se déclenchent quand j'utilise... Non, je peux pas venir. Faut sortir. Qu'est-ce que je pensais? Je pensais à quoi dernièrement? Je vais pas pouvoir monter si... Non, je sais pas, des habilités en fait qui se déclenchaient en faisant des actions. J'en sais rien, je pensais à des trucs comme ça. Ok, parfait. On va voir si on peut pas peut-être se soigner. Ouh, c'est quoi ça? C'est une tempête de neige. Ok, parfait. Fais voir un peu le soin. Ça va, on peut enlever. Après, j'ai quoi qui peut être bien? Ah, j'ai de l'expérience en plus. Parfait. Ok. Suivant. Qu'est-ce que c'est bien ce système? J'adore. Super fun de jouer comme ça. Ah merde. Ah merde! Apparemment j'ai touché le... On a encore quoi? Oh putain, il y en a beaucoup! On peut pas aller sur la planète, sérieux. Chier. Si jamais je me prends
trop de dégâts, on se casse. Qu'est-ce que c'est relou pour... Allez, prends le... Quand il y a des ennemis, c'est une catastrophe pour essayer de récupérer la cargaison. C'est une catastrophe. Ils veulent jamais vous laisser sélectionner la cargaison. Tant que l'autre il fait pas trop mal. Après, ce qui est pas mal, c'est que eux, ils peuvent me donner des parties de vaisseau là pour se remettre de la vie. Ça peut être utile. Ça, il faudrait vraiment le retravailler, en fait. La sélection, faudrait le retravailler. Je trouve. Ça te manque tellement de travail sur ça. Ok, parfait. Je sais pas pourquoi c'est aussi difficile d'avoir la cible qu'on veut, quoi. Même si on la met dans le réticule, ça marche pas. Hein. Donc il y a un code qui doit être un peu étrange. Genre ça doit peut-être privilégier aussi les ennemis au lieu des gisements, mais bon. Enfin, quand ils sont devant toi et que l'ennemi il est derrière toi et que t'arrives quand même à sélectionner l'ennemi qui est derrière toi au lieu du truc qui est devant toi, c'est un petit problème, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On va directement aller sur... dans la grotte. Oh mon dieu, c'est horrible ce truc. Parfait, let's go. Faut que je me soigne un peu, mais j'ai pas trop envie d'utiliser des soins. Allez! Elle est où, Sarah, là? Bon, nous parlons pas à toi. Le mec, il vient avec une hache, quoi, s'il te plaît. Oh.
Par où on passe? Ah oui, c'est là-bas. Ah oui, faut faire attention à l'eau polluée là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de d'Astrien ici, je pense. J'espère qu'on touche pas l'eau là, non? Ok. Parlez à Sarah. Elle est où, Sarah? Sarah, faut que tu me donnes le reste. Ah, elle était en train de combattre à l'extérieur, je pense. Du coup, ouais. Ah, j'aurais pas dû la soigner. Parfait. On va regarder après ce qu'on a récupéré vite fait. On va finir lui parce que sinon... Ok, parfait. Sarah, tu viens? Merci. Looks like we've both been busy. From what you told us, if you haven't found all... Merci beaucoup, Sarah. Alors, un truc qu'on peut faire, c'est... maintenant que j'y pense, un truc qu'on peut faire avant de continuer avec la mission, ça serait de retourner à Jamison, retourner à la loge. Pourquoi? Pour aller récupérer Barrett et tout ça. Comme ça, ils seront mis sur le vaisseau et au moins le vaisseau il sera un peu augmenté. Même si je sais pas vraiment les armes qu'ils utilisent. Je crois que c'est quoi? C'est des missiles et lasers, je pense. Mais ça peut aider. Faudrait que j'aille au bar de Aquila City. Et il y a le mec du bouclier, là, il a 3 en bouclier. Water spends a fortune to maintain the lodge, but I'd say it's worth every credit. This under and how would I... A stretch of the truth. Voilà, parfait. You are welcome. Nickel. Je voudrais te reparler, s'il te plaît. Non, en fait, non. J'ai pas besoin de te reparler, c'est bon. Something bothering you, Andresia? Il est où, Barrett? Barrett, il est là. Non, il est pas là. Merde. Il est où, Barrett? Vasco filled me in on what you said about the artifacts. I'll admit, you really... You know what? And why not? I'll try to admit... Hey, I'm just glad I get... Parfait. Hey, it's the Starborn. On va prendre Sam. So, I was... And she also... But you are... Yeah, but... If... Je vais être honnête, je me rappelle plus vraiment de leurs habilités, donc je sais pas s'ils sont vraiment très très utiles pour le vaisseau, mais au moins on les a. Un peu. Ouais, plus ou moins, ouais, vite fait. On va dire que c'est mieux que rien. Ok, parfait. Alors, fais voir un peu maintenant ce qu'on a récupéré. Combinaison, casque. Évidemment, hein, évidemment. C'est incroyable. Ouais. La vache, quoi.
c'est pas ça que je vais faire, ça. Incroyable, on a que des trucs qui sont pas utiles. C'est bien. On va se mettre du côté de l'émissaire parce que voilà quoi. L'émissaire, il a la meilleure arme. Pourquoi il gueule? I've got the perfect plan this time, I promise. I cannot fathom where this conversation is going. Il a la meilleure arme, donc peut-être que techniquement il peut nous aider, vous savez, il peut être un peu plus efficace au combat, j'ai envie de dire. Donc c'est ce que j'imagine en fait dans ma tête. Ok, parfait. Ah oui, un truc que j'ai pas fait, parce que je viens juste de le voir, c'est ça. Parce qu'on n'a pas de tenue en fait. Oh merde. Ah oui, c'est le moment où on peut pas. On peut pas sauter directement parce qu'on est loin. Je vois pas pourquoi ils ont pas pensé ça, à faire un chemin là comme ça, comme dans Elite Dangerous, honnêtement. Une série de sauts les uns après les autres. Je vois pas pourquoi ils ont pas fait ça, quoi. Ce serait tellement pratique pour nous. À chaque fois, il faut faire ça, techniquement, c'est relou. Allez, faites le combat. Nice job. We're right on target. Non, hop, combat, sauvegarde. Allez. Ah mon dieu. On va essayer d'abord de les fuir jusqu'à ce que l'émissaire arrive en fait. On avait fait ça, ça avait bien fonctionné la dernière fois. Alors, finissons-en. Oh mon dieu, les dégâts, quoi. Ah bah enfin. Ouais, ouais. Je te regarde. On va l'aider. Ah merde, putain, mais il est juste là. Non, je... Ah putain, il reprend son bouclier. Chut. Ils sont où les autres? Sont sur moi ou pas? 3000. 2005. 4000. On peut peut-être se faire le gardien.
Allez, bouclier remonte. Pas se faire déranger parce que là on lui casse la coque. Je suis pas full vie mais j'ai pas vraiment envie de me soigner. Quoique on devrait juste au cas où. Je me demande si on a un vaisseau qu'on peut avoir rapidement, qui est techniquement mieux que ça. Ok. Sauvegarde. Ah, le scorpion. Il lui a déjà bouffé de la... Ah non, c'est bon, il a le bouclier qui remonte. Ouais, allez, score. Super combat. À part le... Il y a le mantis qu'on peut... On peut peut-être un tout petit peu rusher le combat du mantis. Enfin, la mission du mantis. Pour récupérer son vaisseau. Il est pas mal. Mais moi, non, il faudrait quand même de l'argent pour... Pour rajouter des armes. Après, c'est vrai que la bonne chose des gardiens là, c'est le fait qu'ils soient rapides et tout, donc on va dire qu'on peut semer les cibles et récupérer notre bouclier. Mais si on prend un vaisseau normal, du coup il faudrait que on ait un bon bouclier. Ouais, il faudrait un bon vaisseau de base en fait. Faudrait un classe C peut-être. Un Yéna. Ok, c'est bon. Oh la vache! Ça me rend fou ces combats. Tu l'as défoncé? Bah du coup ça va beaucoup plus vite que la première fois je crois. Mais après on a des meilleures armes et tout. Maintenant je sais comment ça fonctionne. Là on va essayer de faire pareil. On va combattre puis après on va lui parler. Comme ça on évite le combat puis hop basta. Vu que je vais pas rester dans l'univers autant, je m'en fous un peu en fait. Ah non, t'as pas d'armes. C'est Barrett. Be on your guard. C'est Barrett. The temple is testing you. Always. C'est pas Sam, c'est Barrett. Ah, on a une différence.
L'émissaire dans cet univers, et c'est ouais, il a une armure dorée aussi. L'émissaire dans cet univers, c'est Barrett. C'est pas Sam. Maintenant, je suis en train de me demander est-ce qu'on avait Sam la dernière fois. J'ai pas trop fait attention à la voix, mais ah, c'est bête qu'ils montrent pas leur visage. Ah ouais, non, c'est Barrett, ça. C'est pas... Dégâts de ouf que je viens de me prendre. Je bouffe des trucs un peu au hasard parce que j'ai pas le temps de lire honnêtement. Si la précision allait avec cette arme, ce serait bien. C'est bien parce qu'en fait au final je leur mets des dots à chaque fois. Ouais, vous voyez là je leur mets des dots. Ouais, au final c'est pas mal cette boule de feu là, boule de plasma. Ah, avec son bouclier, qu'est-ce qu'il est résistant. Cool. Ah, il est intense ce combat. Un peu arme égale. Va tirer sur la bonbonne qui est derrière lui avec ça. Ah bah tiens. Mais je pense pas que ce soit moi. C'est tellement fun de les faire tomber comme ça. Honnêtement, c'est cool, j'aime bien ce combat. Après, c'est un pourcentage de chance. Un truc qu'ils auraient pu faire... Ah oui, tiens, c'est augmenter les... Il est où, ça? Il est là. Avoir des armes. Ou alors des... des armures en fait qui augmentent certaines compétences. Waouh, c'est vrai que c'est pas mal en fait. Vous avez vu comme il a fondu comme neige au soleil. Très bien. Kit de soins, parfait. Ok, on va refaire la même chose. On va se bouffer un peu tout ce qu'on a. Après, comme j'ai dit, hein, moi, vu que j'ai les... j'ai la nutrition au niveau max, pour un max.
Alors, il est où? Oh. Quoi, en tuer quelques-uns? Je sais pas si... Merde, pardon. C'est bon. C'est assez marrant que ça soit Barrett quand même. J'avoue que je suis assez surpris. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On a une différence en fait. Donc ouais, les mondes sont différents. Hein. Et où le machin là? What the fuck? On peut me dire où est le... C'est bon? La mort vous attend. Ok, 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 ok. Je peux sûrement arriver maintenant. Alors, d'où vient les... Putain, il est juste là. What the f... Tu viens d'échanger ta position avec un mec? On en apprend tous les jours. Ouais. What the fuck? J'avais jamais vu ça. Ils ont des pouvoirs différents ou quoi? Ok, très bien. Bon, sympa, c'est... Ils sont très différents à chaque fois, j'ai l'impression. Enfin, très... Il y a une différence quand même. On a la clé, on va passer. C'est vraiment cool, vraiment sympa. On va peut-être regarder ce qu'on a vite fait. Euh, 60 balles. Évidemment, on n'a rien à récupérer de... Il n'y a que l'Eagle en fait, 60 balles. Mais il a une cadence de merde. Non, non, c'est mieux ce qu'on a en fait. C'est par là, je crois. Hein. C'est tellement Barrett, ouais c'est Barrett, c'est Barrett. Ça tue que ce soit Barrett, je suis content. Mais ils auraient dû aller encore plus loin. Genre qu'il nous montre son visage. Je sais. Et du coup, le méchant, le chasseur, c'est qui? Mon dieu. Gardien de là. Bien. Oh.
bordel. Un truc aussi, il y a ça, je peux pas le mettre en raccourci, c'est chiant, mais bon. Comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas mal aussi. Mon dieu, arrêtez de me faire tituber comme ça, c'est horrible. Oh, tu vas tirer dessus, bordel de merde. Ok, parfait. Et vous voyez ça là, le fait de d'avoir les pouvoirs qui se rechargent aussi vite. Vous pouvez faire des drogues quand vous avez chimie niveau 3. Quand vous avez chimie niveau 3, vous pouvez faire des trucs, c'est par là. Qui dure, je crois, 5 minutes. Et qui peut et qui booste en fait de 50% ou 100%, ça dépend en fait, il y a différents grades de drogue que vous pouvez faire. Et ça dure... ouais, je crois que ça dure un bon 5 minutes. Et vous avez vos pouvoirs comme ça qui reviennent à 50% plus rapide ou 100% plus rapide. Et en plus, si je me rappelle bien, ça réduit les dégâts que vous prenez. Et à chaque fois, il faut des matériaux que vous trouvez à côté des... comment ça s'appelle ? Des artefacts. Donc ouais, c'est plutôt cool. Donc extrêmement puissant en fait. Donc c'est pour ça que chimie est vachement intéressant. Mais comme j'ai dit, il faut des trucs assez rares. C'est chiant à récupérer. C'est même pas les... Honnêtement, c'est même pas les matériaux, genre le métal qui est à côté des artefacts, ou alors des anomalies, parce que les anomalies, en fait, vous trouvez une planète avec plein d'anomalies, il y en a partout du métal comme ça. Vous pouvez en récupérer extrêmement vite et tout. Mais après, c'est les autres, parce qu'il faut... Si vous voulez faire les plus grosses drogues, il faut d'abord les drogues genre du niveau en dessous, puis après les augmenter, etc., etc. Donc c'est un peu relou. C'est un peu relou. Come on, Rook. Pourquoi on a ça à chaque fois, je suis en train de demander. Au final, on s'en fout, on pourrait directement partir, non? What the? What kind of? What are you then? Not sure if. Well, ghost, but for now. Je sais pas si on a vraiment besoin de lui parler. There. Last temple. Once we get inside, be ready. So much power gathered here. Anything can happen. Après, dans un sens, je suis pas surpris que ça soit Barrett l'Astrien, parce que Barrett, il avait déjà des pouvoirs, il avait déjà récupéré un pouvoir sur notre monde, donc le mec, il était quand même très intéressé en fait. Vous savez, une autre chose qu'ils auraient pu faire, vu qu'on fait différents univers, et bon, on va dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent, hein. On est en train de faire le même temple encore et encore. Genre, il y a toujours ce cadavre par exemple. Genre, mettez les cadavres aléatoires. Ce serait une bonne idée. Vous savez, des petits trucs comme ça, des petites différences. Ça coûte pas cher, hein, de faire des trucs, hein. De réfléchir 3 secondes. Alors, évidemment, on a strictement rien d'intéressant. C'est ouf. C'est ouf. Par contre, ah oui, on avait vu que la dernière fois, ce qu'on pouvait faire, c'est ça. Genre, avoir ça équipé. Et quand ils font les doubles, du coup, on change d'arme. Faut que je mange des trucs aussi. Faut que je me booste. Ouais, c'est bon. Parfait. C'est pas ça que je vais faire. Je sais pas ce que je me suis pris.
sache pas sur qui je tire en fait. Il est là-bas. Il est mort ? Ils l'ont tué. Bah après vous avez vu tous les dots qui s'affichaient à l'écran. Donc, alors là on va lui parler, on va faire ça. Ça. J'en ai pris un. Parce qu'avec lui, je l'avais testé, ça avait pas marché. Du coup j'avais dû le combattre. Donc je voudrais bien voir ce qui se passe. Est-ce qu'il nous laisse vraiment? Parce que je sais que l'émissaire il peut nous laisser. Mais je sais pas si le chasseur peut nous laisser. Il a toujours la même voix, je crois. Alors, persuadé. Is this where you give your big speech? Let's hear it. Ah, je pense qu'il a la même voix là. It does tend to become a bore. Ah, je suis d'accord. Pourquoi m'écouter? I'm nothing if not open-minded. I suddenly find myself feeling the weight of years. Fine. Just this once. In just this universe. Ça marche? Rivaling anything I've done at Constellation. You've done it. The temple's artifact is yours. What? No, this was your victory. You've proven that you're ready to enter the Unity. I know we aren't from the same universe, but it kind of feels like old times. Here, all the artifacts I've gathered. Viendrez-vous avec moi? No. My place is in this universe now. Par contre, j'ai une question sur sur comment les choses fonctionnent. Genre, une fois qu'on a assemblé les artefacts, on a créé l'émissaire, le machin, on va dans le centre et tout ça de la galaxie et tout, fin de l'univers. Est-ce que d'autres personnes peuvent reprendre les artefacts ou pas? Parce que là, le chasseur a dit qu'il le fera seulement dans cet univers. Ça veut dire qu'il a quand même l'opportunité d'aller dans un autre univers. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Ou alors je me pose trop de questions peut-être. You've earned the artifact. Go. Reach the Unity. I'm glad the artifacts have ended up in your hands. Now that you have all the artifacts, we should talk. Pas vraiment. Bah, plus tard, Barrett. Je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Et bah voilà, on a fini. Alors, pouvoir venu d'ailleurs. Et après, maintenant, on a ça. Là, c'était joli, ces cristaux. Et voilà. Bon bah du coup, moi je vais faire une pause là, je vais encore passer 2 heures à récupérer tous les pouvoirs, comme d'hab. Puis après on se reverra et on finira. Un truc que je voudrais, c'est voir le visage des personnes. Ouais. Voir le visage des deux là, de l'émissaire et du chasseur à chaque fois. Celui-là c'est clairement Barrett. L'autre, il avait la même voix, je pense que c'est le même. Mais ouais, j'aurais bien voulu qu'il montre son visage. Ah oui, c'est vrai qu'il faut lui. Not my fault. Don't know. Well, lucky I noticed. Voilà, parfait. Alors, on va s'arrêter là. Non, on va pas s'arrêter là. Je veux dire, je vais couper. Je vais aller chercher les pouvoirs. On va encore de plus en plus vite à chaque fois. Honnêtement, on peut passer d'un univers à l'autre. Une fois que vous avez un peu des les compétences, mais j'avoue que les compétences m'ont un peu aidé là, les dégâts et tout ça.
Dégâts balistiques, on est toujours pas fini. On va peut-être faire ça, niveau 3. Mais j'avoue quoi, une fois que vous avez un peu des trucs... Faut avoir un peu de chance aussi pour tomber sur des objets, bien sûr, mais il faut pas mal de skills de combat, en fait. Pour compenser l'aléatoire, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au final, au final c'est bien passé avec cette arme-là. Là. Non, avec celle-là, avec le Beowulf. Très puissant, très puissant. Ça aussi c'est augmenté, parce que c'est un fusil à rayon à particules, donc fusil et rayon à particules fonctionnent. Lui c'est seulement un fusil, par contre c'est balistique, c'est fusil et balistique du coup. Donc oui, il y a quand même plusieurs compétences qui fonctionnent à chaque fois. En tout cas ouais, je reviens, je vais récupérer tous mes pouvoirs. Ça va me prendre 2 heures, honnêtement j'ai pas envie. Donc bah, sûrement, je vais sûrement continuer là, genre le lendemain. Mais voilà. Ok, merci. Ok, à tout de suite. Et nous sommes de retour. J'ai pu prendre un niveau, je crois. Autant, j'ai mis rechargement rapide. C'est pas mal. Ça aide pas mal. J'hésite tellement. Il y a tellement plein de choses, en fait, qui est bien dans le combat. Enfin, bref. Donc, dernière vérification avant de changer. Donc, 4, 4, 4. Bon, bien sûr, il y a soit parallèle qui est niveau 5, hein, évidemment. Mais on est bon, on a tout. Donc, parfait. Parfait. On va faire ça, construire l'arme d'air. Okay. Non, c'est bon. C'est bon, on y va. On va dans notre prochain univers. Donc celui-là il est intéressant, celui-là dans lequel on était. Donc on a vu que, par exemple, l'émissaire était Barrett au lieu de Sam, par exemple. Donc on a eu des différences, il y a eu une petite différence. Je pense que le chasseur c'était toujours le même. Mais voilà, on a vu qu'il y avait quand même une toute petite différence. Et maintenant on va voir si le prochain changera. Alors là on n'a rien fait de très spécial. J'ai fait couper. Non, j'ai strictement rien fait. Hein. Celui-là, le 4 et le 3, on l'a zappé. You made it. I hope you're enjoying the view. I never get tired of staring at it. Eternity. Mm-hmm. Alors... Do I? Huh. Welcome home, Starborn. As always, the path to a new universe is forward, past me. Or, you could turn around and return from where you came. Y a pas de différence sur ça, ça c'est un peu bête. As you consider stepping towards infinity, I offer you a glimpse into what will happen to the universe you may be. Ouais, de toute façon, on n'a pas fait grand-chose. As the essence, although you leave this universe behind, a new universe awaits you. Who will you be in this one? Je sais pas. What choices will you make? On avance. Je voudrais bien que les univers soient vraiment extrêmement, extrêmement différents. Bon, on est reparti. Je pense que le prochain univers, je vais le jouer par contre. Parce que je voudrais faire... je crois que j'en avais parlé, je voudrais faire des vidéos sur Libra Astra.
Ça a pris du temps, encore une fois, pour prendre les pouvoirs. Ça prend énormément de temps. C'est fatigant, honnêtement. Et j'avoue, je comprends maintenant pourquoi il y a un mod pour enlever le soi-disant puzzle pour récupérer les pouvoirs. Maintenant, je comprends pourquoi il existe ce mod. Parce que se balader là pour aller dans les... Je sais pas, genre vous savez ce qu'on doit faire autour des cercles là, c'est très très fatigant au bout d'un moment. On a fait un nombre incalculable de fois maintenant, c'est bon. C'est parti. Donc ça va être le monde, enfin l'univers 5. Parce qu'on a les pouvoirs au niveau, on va pouvoir avoir les pouvoirs au niveau 5. Je dis pas de conneries, hein, j'ai bien compté. Genre le normal, on l'a 1. Après plus 1, on a le niveau 2. Ah oui, ouais, non, en fait. Ouais, c'est le quatrième univers, je crois, qu'on visite là. Si je dis pas de bêtises. J'espère que notre... comment ça s'appelle ? Notre tenue va avoir des bonnes stats. Ça, c'est un peu toujours la catastrophe. Alors fais voir. Ouh ! Elle est dorée, non ? Ah, c'est bien, j'aime bien quand il n'y a pas de tissu en fait au final. Alors, la combinaison spatiale astrienne Ténébris. Donc oxygène, on s'en fout. Hacker, on s'en fout. Ah, blindé, c'est pas mal. Blindé, c'est pas mal. Elle brille. Hein. Putain, comme elle brille. C'est joli. Ça va, c'est cool. On va remettre les pouvoirs avant que j'oublie. Donc atmosphère privée, c'est là. Plasma brûlant. Maintenant, ça consomme que 20 d'énergie. Voilà. Et normalement, on a le vaisseau 3, je crois. Bah avec le nombre de vaisseaux, on peut voir, en fait. Le grade 4. Ouais, non, 4. Oui, du 4, du coup, c'est le quatrième... du coup, c'est le quatrième univers qu'on visite. Allez, c'est parti. On va voir s'il y a des grands changements ou pas. J'espère. Après, peut-être que je ferai... J'irai récupérer les... J'irai peut-être récupérer tous les artefacts et tout ça. On fera d'abord l'épisode et puis après, je ferai le reste. Comme ça, ça permettra aussi de récupérer les pouvoirs. Ça pourrait être intéressant. On verra. Allez, on va voir si des choses ont changé. Je pense qu'ils auraient dû faire un peu plus dans les changements. Bah après, dans un sens, il y a plein de gens aussi qui vont jamais faire de NG+. Donc dans un sens, pourquoi faire beaucoup de travail sur le NG+, si pas tout le monde le joue. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un sens, je peux comprendre pourquoi il n'y a pas trop de choses. Ouais, ça aurait pu être bien aussi. Genre, je sais pas, genre... la Nouvelle-Atlantide, genre, elle est vide.
Ah mais après du coup ça forcera un peu les gens à passer en NG+ d'après. Ah j'en sais rien, je sais pas. Moi j'aurais bien voulu un truc un peu pas extrême mais un peu plus. Voilà, un peu plus. On aurait pu faire Nouvelle Atlantis qui est complètement ravagée par les Orimorphes par exemple. À la limite, si on fait des trucs comme ça et qu'on a peur que les gens soient trop déstabilisés, ce qu'on peut faire, c'est mettre une option, genre, vous arrivez dans un univers qui est dans le chaos, par exemple, et ils disent, vous risquez de ne pas rencontrer les personnages principaux de l'histoire, tout ça, genre, vous pouvez pas rejoindre des factions et tout ça, voulez-vous le passer, par exemple. Il faudrait mettre juste une petite option comme ça. Et après, vous faites des univers qui sont vraiment dans le chaos. Genre la Nouvelle Atlantis qui est complètement défoncée et qui est complètement pleine d'orimorphes, par exemple. Ça serait vachement intéressant. Du coup, vous êtes obligé de vous débrouiller, en fait. Vous avez personne et tout, c'est... Voilà, faut... Ça peut être intéressant. Bon, bah... Excuse-moi, this is a private... Wait. There's something familiar about you. Vasco. Identify. Scanning. Cross-referencing known employee records of our affiliated organizations. Please remain still. This appears to be the miner from Argos Extractors. Aïe, 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 aïe. I see. Vasco already delivered. Ignoré. You're a... I see. You're taking the... Why don't we hear him out? Et on va All lui right. dire cette fois, on va lui dire... Croyez-le ou non, je fais tout ça. Voilà. So, that's what we're looking. This is. I think we're past. In any event, I don't know if you should rush off to meet them. I want you to check with Vladimir on the eye. You track down the artifact. Ça marche. And we are grateful for that. Oh, it is Cusolo, Star Captain. I will proceed to my Bon, ben voilà. Even the trace physiological and neurological So, we have a... On est reparti. Ah, j'ai envie de le zapper cet univers aussi, juste pour voir s'il y a des trucs plus intéressants. Je vais être honnête. Je le ferai peut-être. Honnêtement, je le ferai peut-être. On verra. Qu'est-ce qu'elle nous a donné? Waouh, super. Pas le top. C'est pas le top. Your very existence is the greatest single discovery in the settled systems. Bon bah voilà. Par contre, ouais, la tenue est vraiment stylée parce qu'elle brille un peu, pas mal. Plus elle a des reflets un peu étranges, des fois elle est un peu plus sombre à des endroits et tout, quand il y a de la lumière. J'aime bien. Bon bah du coup on va s'arrêter là. Ben c'était encore un univers. Ah, on va peut-être le zapper celui-là, je sais pas, je vais y réfléchir. Peut-être que je vais le zapper aussi et voir un peu ce que je peux faire d'autre. Je vais aller récupérer, comme d'habitude, je vais peut-être faire une heure de droite à gauche ou 30 minutes là, histoire de récupérer un peu de l'argent, des munitions et tout ça, et du soin surtout. Et après on devrait être bon à combattre. Au final ça va, je me suis habitué maintenant à combattre genre avec peu, et surtout que vu que j'ai mis des points dans le combat et tout ça, maintenant ça se passe quand même nettement mieux. Genre là on a balistique qui fonctionne, j'ai pas le fusil à pompe mais on a balistique qui fonctionne et tout ça, on recharge plus vite normalement. On a des pouvoirs qui commencent à faire aussi assez mal, faut être honnête. Donc ça va, ça commence à être assez simple. Donc on peut rusher assez facilement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine pour un nouvel univers du coup. Ciao, ciao!